Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Il est 18h. Voici les titres de notre actualité de ce lundi 23 octobre sur Calédonia. Alors que le projet de centre de stockage des déchets non dangereux de la plaine des Gaillacs a été inauguré le 9 octobre dernier, des réunions d'information ont eu lieu du côté de Poya. Objectif, préparer la population à passer au nouveau mode de collecte des déchets. Comment les habitants voient-ils ces changements qui bouleversent leur habitude et s'inquiètent-ils de la hausse des prix? Nous sommes allés à leur rencontre. La réforme du RUAM a animé l'hémicycle du Congrès mais a fini par faire l'unanimité au sein de l'institution. 14 amendements ont été déposés et adoptés. Que faut-il retenir? On vous l'explique. On terminera ce journal avec du sport. La semaine dernière était consacrée au monde équestre. Le cheval est toujours très apprécié des Calédoniens. Plusieurs compétitions ont eu lieu, réunissant plus de 200 cavaliers du territoire à l'hippodrome Henri Millard pendant la semaine du cheval. Vous le verrez, c'est une vitrine, mais aussi un moyen de toucher un plus large public. Avant de développer ces titres, un hommage à Dominique Bernard rendu ce matin dans plusieurs établissements scolaires du pays. Il y a 10 jours, cet enseignant a été assassiné dans l'enceinte d'un collège-lycée dans la ville d'Arras, en France, 3 ans presque jour pour jour après Samuel Paty. Au lycée Michel Rocard de Pointe-Bout, une minute de silence a été observée à 10h30 ce matin. L'occasion de rappeler aux élèves l'importance du principe de laïcité dans la République. Écoutons Frédéric Bouteille, commissaire délégué de la République en province Nord, au micro de Lina Wakase. Il est important que toute la communauté éducative rend hommage à ce professeur qui est tombé sous les coups de la haine, de la violence, de l'ignorance. C'est important, même ici en Calédonie, ça a été dit par le maire, on peut se sentir loin, mais on n'est pas du tout étranger à ce qui se passe sur le sol hexagonal. Et il était important que la communauté éducative du lycée de Pointe-Bout et plus largement de la province Nord et de Nouvelle-Calédonie, eh bien, participe à cet hommage à l'un des leurs. Il faut continuer ce travail d'explication de ce qu'est la laïcité, de pédagogie vis-à-vis des élèves pour leur expliquer la laïcité à la française, dans la République, comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire, que ce n'est pas une laïcité contre les religions, mais c'est une laïcité qui nous permet, depuis 1905, de vivre en paix, chacun avec ses convictions. Petit point météo en ce début de semaine, notamment sur l'activité cyclonique qui nous entoure. Aujourd'hui, à 15h, heure locale selon Météo France, le cyclone Lola, qui se situe au nord du Vanuatu, génère des vents moyens de l'ordre de 150 km/h avec des rafales à 200 km/h près de son centre. Il se déplace vers le sud à environ 12 km/h et sa pression au centre est estimée à 970 hectopascales. Plus de précisions en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie avec Julien Ridao, prévisionniste à Météo France, au micro de Michel Pimbet. Pour la Nouvelle-Calédonie, avec la perte d'intensité du système qui est prévue pour l'instant, qui reste à confirmer quand même, hein, mais avec cette perte d'intensité, on devrait avoir des vents qui devraient être limités. Pour l'instant, on table sur des vents qui pourraient atteindre 70, voire ponctuellement 80 km/h en rafale sur la Nouvelle-Calédonie d'ici les 24 à 72 heures, prochaines heures, hein, donc d'ici jusqu'à jeudi. On s'attend à quelques passages de précipitations actives, hein, donc avec localement orageuses, donc par l'est, hein, dans le sud-est humide que le système va drainer. Et donc, par exemple, demain après-midi et ensuite en soirée, on devra avoir une passage d'une bande pluvieuse et localement orageuse, hein, par les noyautés, par l'est. Aux alentours de mercredi à jeudi, la nuit de mercredi à jeudi et jeudi, pour l'instant, on pourra avoir aussi un passage pluvieux assez important, là encore avec des orages, et qui concernerait une grande partie de la Nouvelle-Calédonie. Environnement. Dès janvier prochain, les 8 dépotoirs dits sauvages de Poya fermeront pour laisser place à un nouveau centre de tri. Pour l'occasion, une tournée d'information a été effectuée auprès de la population. Objectif ? Expliquer aux résidents de la commune les nouvelles modalités de collecte des déchets. C'est aussi un moyen de mieux sensibiliser les usagers au tri. Un reportage de Lina Wakaseu. Nos déchets vont être gérés différemment de ce qu'ils étaient jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, on collectait, on amenait au dépotoir.
Là, maintenant, ça va être fini. Il n'y a plus de potoir. Il n'y aura plus. À terme, on fera. Il y aura le collège, le centre de tri et puis centre de tri vers l'ISD de la plaine des Gaillacs. Le nouveau schéma de collecte des déchets, travaillé en collaboration étroite entre la commune, la province Nord et Trécodec, demande une nouvelle organisation et la contribution des habitants de Poya. Sur Poya, on part de quelque chose où il n'y a rien du tout, c'est-à-dire qu'en tribu, par exemple, ils n'étaient pas du tout collectés. Jusqu'à présent, ça fait à peu près un an qu'ils sont collectés maintenant. Et du coup, les gens ne sont pas inscrits. Ils savent que le prestataire passe collecter, mais du coup, ils ne sont pas inscrits. Donc c'est pour ça qu'on fait des réunions par localité pour bien expliquer aux gens qu'à l'heure actuelle, maintenant, il y a un service qui est mis en place. Donc les coûts vont effectivement fluctuer, je pense, au départ. Dans l'idée qu'on a, en fait, c'est de diminuer les coûts et donc d'inciter la population à trier ses déchets. C'est un effort collectif qu'il faut faire et effectivement, l'usager est le premier, on va dire, acteur, c'est l'acteur principal de ce schéma. Avec 700 foyers non abonnés à la collecte des déchets sur la commune, c'est un effort collectif à faire que les coutumiers ont bien compris. Et nous, pour changer notre habitude de saler notre beau pays, faut la respecter parce qu'il y en a tous qui ont besoin. Par exemple, les poissons qui sont dans les rivières, à la mer, on en voit à la télé tout le temps ce qui se passe par rapport à ce qu'on fait, parce qu'on fait du mal à notre environnement. Faut qu'on arrête d'être resté, maintenant faut qu'on bouge. Et si on bouge ensemble, comme dit la mère, maintenant on est obligé d'en arriver là. Puis peut-être ça va être un coup, mais si tout le monde paye, demain ça va être bien. Et pour continuer dans la sensibilisation du traitement des déchets, les habitants de Nekliay ont pu apprendre à faire du compost à partir des déchets verts qui entourent leurs habitations. Alors, il faut mettre les tons d'arbre aérés par en dessous. On met des troncs d'arbre, ça c'est l'aération est très importante pour le compost. La commune mettra en place dans les prochaines semaines un planning à disposition des tribus qui voudraient utiliser le broyeur pour 5000 francs de l'heure pour encourager la population dans la gestion des déchets verts. Politique. Demain, la commune de Lifou élira son nouveau maire, l'élu sortant Robert Rouillet, désormais sénateur, le premier Kanak indépendantiste élu à cette place, doit rendre les clés de la mairie. De retour de Paris depuis la semaine dernière, il raconte au micro de notre journaliste Henri Nailolo ses premières impressions après sa prise de fonction au Sénat. On l'écoute. Ça fait plaisir de retrouver l'air frais de Lifou et puis la famille, ma deuxième famille ici à la mairie, parce que j'ai été longtemps avec eux. Puis c'est toujours un plaisir d'être là et puis de partager ces moments. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion depuis mon élection. Ça fait au moins 5-6 semaines que je suis absent, donc ça fait plaisir de revenir. Ben, c'est toujours impressionnant quand on arrive là-haut. C'est vrai que je sors de ma petite mairie, donc pour retrouver des grands personnages et être parmi eux, c'est toujours impressionnant. Mais c'est aussi la tâche qui est devant nous, qui reste lourd, et je sais combien il faudra mériter la confiance que les grands électeurs ils m'ont donnée. Et j'espère être à la hauteur dans les jours à venir. Je pense que c'est ça qui est important. Comment on va essayer de faire bénéficier nos communes, nos concitoyens de ce qu'on va faire sur place. Voilà, et l'élection du nouveau maire de Lifou se tiendra demain matin à 8h30 à la mairie de Wé. Politique toujours, la réforme constitutionnelle concernera d'abord la Nouvelle-Calédonie avant de se pencher sur le cas de la Polynésie française ou de la Corse. C'est l'une des informations clés à retenir de la rencontre survenue vendredi dernier à Paris entre le président de la République et 60 élus des Outre-mer. Selon nos confrères d'Outre-mer 360 qui étaient sur place, Emmanuel Macron a précisé aux élus que la Nouvelle-Calédonie était un sujet en soi. Bien qu'il ait entendu les attentes d'une évolution institutionnelle dans d'autres territoires, elles ne pourront se concrétiser, je cite, « dans le même calendrier que la Nouvelle-Calédonie, dont l'adoption d'un futur statut est fixée par le chef de l'État au premier trimestre 2024 ».
Après des débats houleux au Congrès, la loi pays instituant la réforme du RUAM a été adoptée à l'unanimité jeudi dernier. Le texte initial a été modifié avec pas moins de 14 amendements déposés et adoptés. Des précisions avec Maëlys Vézière. Jeudi dernier, les élus du boulevard Vauban ont trouvé un consensus. Ils ont adopté le cadre général de la controversée réforme du RUAM. Quels sont les changements attendus ? Premier point central, les travailleurs indépendants bénéficieront d'une couverture médicale équivalente à celle des salariés du privé et des fonctionnaires. Autrement dit, ils percevront des indemnités journalières de maladie ou de maternité en cas d'arrêt. Pour rendre cette mesure possible, le texte initial prévoyait une homogénéisation des taux de cotisation à 13,5%. Cette harmonisation sera revue à la baisse pour certains travailleurs indépendants, notamment pour les 17 000 patentés qui gagnent moins de 2 salaires minimum garantis par mois, soit moins de 330 000 francs mensuels bruts. Leur taux de cotisation pourrait être fixé à 7%. Ces taux seront définis ultérieurement dans une délibération prévue avant le 31 décembre pour une mise en vigueur le 1er janvier 2024. Du côté des secteurs aidés qui englobent en partie l'hôtellerie, l'agriculture ou encore les saisonniers, aussi de gros changements sont prévus. Ils ne bénéficieront plus d'un abattement de 75% des charges patronales et salariales. Celui-ci sera uniquement appliqué au salaire inférieur à 330 000 francs par mois. Autre nouveauté, l'extension du tiers payant ou encore une participation symbolique de 100 francs pour chaque boîte de médicaments achetée. Toutes ces modifications du texte initial permettraient déjà d'identifier une économie de 2 milliards de francs selon les élus. Pour rappel, la dette du RUAM s'élève au moins à 26 milliards de francs avec un déficit structurel évalué entre 10 à 14 milliards par an. En bref, aucune perturbation aujourd'hui sur les rotations prévues par Air Calédonie. Le collectif des usagers de Lille, des Pins et de Lifou ont décidé de ne pas bloquer les aérodromes de Moué et de Wanaham. Et ce, jusqu'à mercredi au moins. Ils sont dans l'attente de la suite à donner aux discussions engagées avec les différents acteurs du dossier. Du sport équestre à présent, pour terminer cette édition, Volteface, Vénus ou encore Étincelle, ce sont quelques-uns des 200 chevaux calédoniens qui ont participé à la semaine du cheval à l'hippodrome Henri Millard. Du 18 au 21 octobre, les cavaliers de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud se sont affrontés à Nouméa sur des courses de sauts d'obstacles. Objectif, confronter les niveaux et donner le goût de l'équitation au grand public. Luca Emo les a rencontrés. C'est un sans faute pour Eileen et son fidèle acolyte, témoin du cateau. Membre du club de Dimbéa, elle remporte la troisième place de la plus grosse épreuve du championnat, l'amateur élite. Une occasion pour les jeunes cavaliers du Pacifique Sud de confronter leur niveau. À Tahiti, on n'a pas l'opportunité d'aller souvent à des championnats. Car on est tous dans la même, au même endroit à chaque compétition. L'effet de pouvoir rencontrer d'autres personnes ici, de pouvoir rencontrer les Calédoniens. Il y a aussi les Néo-Zélandais, le Vanuatu. Et on peut faire pas mal d'échanges. Donc c'est aussi sympa de pouvoir communiquer avec tout le monde. Une opportunité qui profite aussi au centre équestre du pays. Sur 26 clubs en Nouvelle-Calédonie, seulement 4 d'entre eux se trouvent en province nord. C'est super, nous descendants de Koné, ça nous permet de nous confronter aux cavaliers du sud qui profitent, eux, qui ont plus de possibilités de concours toute l'année. Et on est hyper, hyper bien accueillis et très contents de l'organisation et de l'ambiance. Au programme du troisième jour de la compétition, course de saut d'obstacles pour les différents niveaux. Cavaliers et cavalières se sont mesurés sur les mêmes parcours sous le regard attentif de Frédéric Morand, vice-président de la Fédération française d'équitation. Les filles du Nord, avec Vénus de la Wembu, c'est Philippine Ella qui va s'élancer. La première année, quand je suis venu en Calédonie, je pensais voir un public de cavaliers insulaires. Et en fait, le corps d'enseignants de Nouvelle-Calédonie a toujours très bien travaillé. Mettre la compétition dans la ville, c'est vraiment important pour faire découvrir le cheval. Mais on encourage ces petites épreuves pour montrer au public que c'est vraiment accessible dans tous les centres équestres et que c'est une passion vraiment très saine, un sport très sain pour les plus jeunes. En Nouvelle-Calédonie, on compte un peu moins de 2000 licenciés avec une forte proportion de jeunes de 15 à 17 ans.
Au total, la semaine du cheval a permis de rassembler en moyenne 100 à 120 participants par jour. Et pour aller plus loin dans le monde de l'équitation, votre soirée se poursuit avec Lundi Sport, présenté par Adrien Espinoza. Il reviendra avec son invité sur cette compétition équine et la vitrine que représente la semaine du cheval dans le paysage calédonien. Puis à 19h55, votre case de documentaire du lundi aborde la franc-maçonnerie sous le régime du maréchal Pétain durant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci a tout fait pour dissoudre ce mouvement tenu secret. À partir d'images inédites des fonds du Grand Orient de France, ce documentaire retrace les positions et le regard de la franc-maçonnerie sous le régime de Vichy. Pétain et les francs-maçons, un documentaire de Jean Barat. Enfin, à 20h50, le magazine de consommation Capital vous propose de vous immerger dans les loisirs XXL des Français. Les parcs d'attractions géants ont la côte. Très bon début de semaine à tous. Je vous souhaite une belle soirée sur Calédonia et à demain.